Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Uncharted 4 A Thief's End, un jeu édité par Sony, développé par Naughty Dog. La sortie française, c'est le 10 mai 2016. Le type, c'est un jeu d'action-aventure, c'est déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il y a de la violence. Ça se joue à un joueur, mais aussi en multijoueur de 2 à 10. Au niveau de l'installation, sur le disque dur, ça prend 50 gigas, oui, comme tous les gros jeux. C'est une exclusivité PlayStation 4. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Vous connaissez Uncharted, de toute façon, il me semble les avoir tous fait en découverte, même celui sur PS Vita à l'époque, il me semble l'avoir fait en découverte. Et puis voilà, donc si vous voulez plus de vidéos du jeu, vous me le direz, mais je pense très clairement le faire en live. Je ne sais pas quand je posterai cette découverte. Au possible, je vais essayer de la poster le 9 s'il n'y a pas d'embargo, en gros lundi. Comme ça, on commence le live dès le 9. De toute façon, je ferai une annonce sur YouTube, sinon ce sera le 10. Voilà, on se fera ça en live tranquille. Et si le jeu se passe très très bien, je mettrai la rediff sur Let's Go, la chaîne secondaire faite pour les Let's Play, voilà. Vous pouvez aussi laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain. Et puis on est parti, allez. Nouvelle partie, s'il vous plaît. On va laisser en simple, tiens, voilà. C'est mis en simple, on va laisser en simple. Je ne sais pas ce que ça vaut. Visite automatique activée, d'accord. Allez, on est parti. Espérons qu'il soit aussi bon que le 2, parce que moi, personnellement, mon préféré, c'est le 2, ensuite c'est le 1, et après c'est le 3. Le 1, en fait, pour moi, il y avait ce côté aventure et un petit peu de gunfight. Le 2, c'était un très bon mélange. Et le 3, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de gunfight par rapport à ce côté exploration qu'on avait un peu perdu. Il était toujours là, hein. Mais on avait beaucoup plus de gunfight, je trouve. Donc j'espère que là, on va retrouver cette alchimie entre les deux. Parce que moi, c'est ce que j'ai envie. Voilà, ça serait plutôt cool. Et je m'excuse direct si vous entendez un petit peu la Play souffler à l'époque comme sur la PS3, parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Dès que j'ai lancé le jeu, la console fait un bruit de fou. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Allez, ça m'a joué très impressionnant dès le début. Ça m'appelle un film. Oula putain, l'éclair, il m'a explosé les yeux. Il m'a rendu aveugle. La caméra, ok, c'est avec le stick de droite. R3, c'est pour remettre de base. Ça, c'est plutôt cool. Un physique tacticiel comme ça. Ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, si vous voulez, hein, vous pouvez mettre le jeu en VO. Hein. Vous choisissez comme vous voulez, en gros. Si vous voulez que les dialogues soient en français et les voix anglaises, vous pouvez. Moi, je vais laisser la voix française, parce que généralement, l'Uncharted, bah, ils ont une très bonne VF. Donc, je préfère garder ça. Eh bien, vous faites gaffe. Hein. Ah, attention! Donc, on a un bateau qui défonce. Allez, salut! Toi aussi! Et voilà! Donc, oui, ça faisait penser à un film avec George Clooney. C'était avec un bateau. Je vous dirai pas la fin, parce que ça spoil. Mais c'est un bateau comme ça avec une grosse vague à la fin. Oh putain! Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, mais... D'accord, je continue vers l'île. Vas-y, on a plus de vitesse. Oh là 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 là. Oh, oh bordel. Oh putain, dès le début, ça explose de partout. Waouh. Oh! My God. Allez, remonte. Oh, qu'est-ce qu'on a eu chaud. Allez, on peut remonter maintenant, ça devrait être bon. J'arrive, j'arrive. Ne bouge pas. Oh là, quel didacticiel.
D'accord. Bon, ça c'est la base. Petite phase de gunfight. Ah, par contre, ce que je vais faire, je vais enlever ce côté commande. Alors, où est-ce que c'est? Mode de visée. Je préfère garder la visée pas automatique parce que je trouve qu'on perd beaucoup en fait. En fait, la visée automatique, un peu comme sur GTA console, même là, si elle est un petit peu aussi. Voilà. En fait, là, elle est plus automatique, vous voyez. C'est beaucoup plus sympa. Même si je sais que je vais me tromper plus souvent. Mais avoir la visée automatique dans un jeu comme ça, je pense que ça part de son charme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je préfère jouer comme ça, c'est plus sympa. Même si je sais qu'on va mourir plus souvent. Allez, recharge. Eh! Mais calmez-vous là! En fait, c'est comme si vous jouiez un film. C'est très compliqué. Parce que généralement, quand vous regardez un film, bah, vous regardez et vous admirez, vous êtes en kiff. Bah, là, le problème, c'est que vous êtes sur un film pratiquement et vous devez jouer. Donc, c'est assez bizarre. Allez où l'île? Je la vois même pas, l'île. Bah, ouais, on ne voit rien, mon ami. Ah, mais vous, allez-vous-en. Attention. Oh, ben, d'accord. Il y en a un, je crois, qui s'est planté. Je ne sais plus du tout où je vais. Et je me dis, s'il y a des rochers, c'est qu'on approche du rivage. C'est con, mais. Il m'a dit attention à droite, moi je vais à droite comme un con. Mais c'est fait exprès, hein. Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre. Quoi d'autre alors? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam? Ça me rappelle le 3, ça, quand on pouvait jouer avec le petit, enfin, avec Nathan, étant plus jeune. Je vais fouiller, hein, parce que le but, c'est quand même de prendre notre temps, n'est pas pressé, surtout pour ce genre de vidéo. Si jamais il y a peut-être des trésors quelque part, même si je ferai pas la recherche des trésors, mais c'est un petit quelque chose. Non, pour moi, c'est pas grave, allez, on y va. On passe par la fenêtre. Oh. C'est assez joli quand même. Alors là, je vous garantis pas de réussir tout sans mourir. Moi, genre, dans ce genre de jeu, je suis obligé de mourir. Je me rappelle quand j'ai fait un live, on avait même mis un compteur de mort tellement j'arrêtais pas de mourir. Et je pense que c'est ce que je ferai aussi sur le 3, sur le 4, pardon, excuse-moi. Mettre un petit compteur. C'est impossible par là. Ouais, je pense qu'il faut reprendre. Voilà, c'est parti quand ça on va glisser. On passe par là.
Normalement, la caméra est très bien, je la dirige et tout, et c'est top. Ah bah tiens. Ok, il faut que je sois discret. On va être discret, mais en même temps, on va fouiller un petit peu. Non? T'as pas envie de fouiller? En même temps, à cette époque-là, t'étais pas forcément un aventurier. Mais on sait jamais. Je passe devant, il n'y a rien. La porte est entrouverte. Donc, comme je l'ai dit auparavant, mon dieu, la console a fait un souffle, mais oula. j'ai rarement entendu ma console Pendant ce temps, souffler autant. Les 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement de moi? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui-même. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, écoutez, j'irai lui parler demain matin. D'accord? Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Je sais pas comment il a fait pour pas me voir. Non, en fait, c'est juste que j'avais augmenté le son. J'avais augmenté le son dans mon casque. Parce que j'entendais pas assez. Mais. C'est mon dossier. On va le lire, tiens. Persona pour garçon de Saint-Francis, rapport de comportement. J'ai surpris Edward en train d'agiter un des livres de Nathan. Pour l'embêter, malgré sa petite taille, Nathan a immédiatement bondi sur Edward et a réussi à le faire tomber. J'ai accouru pour séparer les deux. Mais ils avaient déjà eu le temps de se rouer de coups. D'accord. Ouais. Bon. Allez, on peut le ranger. Alors, quand même plus dire que je l'ai défoncé, hein. C'est ce qu'il y a à retenir. Je suis sûr qu'il doit avoir des trucs cachés, mais allez. Oups, on va pas se rendre la tête non plus. Ah. Je vous disais bien. Où est-ce qu'elle est allée là? D'accord. Parfait. Oups. Faut que j'atteigne cette fenêtre. On va l'attendre. Faut juste voir. Ah bah d'accord. Allez. Allez, reste pas là. Le temps de voir ce qu'elle va faire. Ah, tu peux faire du bruit pour l'attirer quelque part d'autre? Pas bien de fumer, hein. Je suis sûr qu'elle le dit à personne, ça. Ah bah peut-être qu'il faut qu'on fasse ça. Ouais. Vu que c'est un didacticiel, forcément. Il attendait que je fasse justement la manip. Sœur Catherine. Zut. Ah, sœur Catherine, j'ai de nouveau oublié mes clés. Pouvez-vous m'ouvrir le portail? J'arrive, mon père. Allez, c'est bon. Nice. Attention, attention, ne tombe pas, s'il te plaît. Il est tout fragile, du coup j'ai peur de le faire tomber. Quand il est adulte, je me dis c'est pas grave. Voilà. C'est par la droite, logiquement. Allez. Vraiment très très beau. Hein. Très très beau, peu d'aliasing. En même temps, je suis sur une télévision qui est assez grande, du coup, bah... Même si on a un petit peu, on voit quand même. On est plus très loin. Voilà. Oh, attention, attention, attention. Attention, je te dis. Aïe, aïe. Non, non, fais gaffe, s'il te plaît. S'il te plaît, ne joue pas au con. Parfait. Sam ? Apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là? Non, t'as recommencé? C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges?
Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Ouais. Allez, c'est parti. Joli saut. Mais bon. Allez, allez, donne-moi ta main. Ouais, voilà, je me disais bien. Je vais appeler un tout petit petit. Merci. Dis donc, léger. Ta sœur te donne pas à manger ou quoi? Il y a personne là-dedans. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais. Comme d'hab, hein, par contre, quand ça parle, je me tais pour vous laisser écouter. Même si elle est sous-titre, bah. Vu que j'ai comment va le faire de pas de choses à dire, bah je me tais. Voilà. L'être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je veux pas me sentir coupable. Et voilà. Voilà. À la force des petits doigts. Par là. Yahoo! Attention. C'était fastoche. T'inquiète, hein, je t'attends. Je te suis. Bon, il prend tout son temps, il se dit que je vais pas le suivre. Merde. Tu l'as pas bloqué? Bah, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs? Bien, suis-moi. Regarde ça. Waouh. Et maintenant, on prend la voie des airs. T'as déjà fait ça avant? Une ou deux fois. Tu pouvais pas me laisser la corde? Allez, viens. À ton tour. Enfin, à part si j'ai obligé de l'avoir pour... Alors maintenant, R1. Voilà, vous voyez? Moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'il aurait dû me faire lui aussi. Il faut passer par le côté. Ah, j'ai laissé les musiques d'ambiance. J'espère qu'on se mangera pas droit d'auteur. Toi, et que tu peux toujours faire attention. Je bosse principalement. Tu sors toujours avec cette fille? Qui ça? Ah, Crystal. Ouais, ça va sa vie. Hein. En ce moment, c'est pas le top. Yahoo! D'ailleurs, je savais pas que. Que Nathan avait un frère. Enfin, j'ai jamais fait gaffe. Voilà. What? Il suffit de pas y penser. Tu vas y arriver. Allez, on recommence. 1, 2, ya. Je te tiens. Tu vois? C'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Doigt dans le nez. Reste avec moi. Allez, je le suis, tout va bien. Ça t'a plu, hein? Ouais, carrément. Hé, par là, juste derrière toi. T'inquiète, y'a de la marge. Attention, va falloir sauter. Ok. Alors, dis-moi par où il faut sauter. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, un petit didacticiel, pardon, excusez-moi. Pour bien commencer. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est escalade. Voilà, vous devez placer escalade en commentaire. Prêt, Tarzan? Ouais. Vas-y, passe devant. Voilà, ouf, l'élan qu'il a pris. C'est ouf. Genre Ludo ouais, du premier coup, mais il a moins bien réussi. Personnellement, je préfère mon saut. Hein. Bon, je pense qu'il faut passer par là, mais je préfère attendre. Parce que vu que souvent les jeux sont scriptés maintenant, de nos jours, même à l'époque, hein, c'est-à-dire que si vous avancez avant le script, bah, ça se peut que vous cassiez le jeu. Ça sera un peu dommage, en live c'est drôle. Et en découverte, pas trop.
Voilà. Je vais passer par... Ça sent pas bon. J'étais sûr que ça allait péter. On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal. T'es déjà monté ici avant ? Sur ce toit en particulier ? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Il est passé où ? Allez, tu restes ici et tu me regardes. D'accord. C'est ton tour. Ça devrait le faire. Ok, ça va aller. Ça va aller. Si tout va bien, bah, déjà la chute qu'on se prend, pas évident. Allez, vas-y, lance-toi. Faut pas trop réfléchir. Macère, faut pas que tu te plantes. Macère, faut pas que tu te plantes. Allez. Allez. J'ai réussi. Ouais. Les doigts dans le nez. C'est à pleine lune. Faut faire attention. Bien, suis-moi. Tu sais quoi ? Et si tu passais devant ? T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin. Bon là, c'est bien que c'est assisté. T'assures, Nathan ? Ok. C'est parti. Attention ! Et voilà. Le premier coup parfait. Ok. Oh, il a fait vite ! En même temps, c'est pas mon grand frappe pour rien. Hein. Et l'on descend avec l'échelle. Ok. Après toi. Non, non, tu peux descendre là. On descend maintenant. Et nous voilà dehors. En moins de deux. Super. Comment tu la trouves ? Hein ? Wow ! T'as une 250 ? Une 250 ? Non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée ? Eh ! C'est pas très sympa, ça. Bah, justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi ? En général, quand tu fais un truc de genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement ? À peu près un an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber ? Oh, arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici ? Comment tu peux me faire un truc pareil ? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, deux quand ou tu sortiras... Deux ou trois ans, tu rigoles ? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser ! Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat... Oh, t'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends ? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Eh. On n'a pas eu de chance dans la vie, mais... Ça nous a pas arrêtés. Pas vrai ? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense ? Quoi ? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral ? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça ? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer ? Tu veux qu'on les vole ? Bah, c'est pas vraiment du vol, puisqu'on va récupérer ce qu'il y a à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper ? T'es prêt, champion ? Carrément. Oh.
Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Va a falloir faire mieux si tu veux te débarrasser de moi. Acabemos con esto. Je t'attends. Ok. Tiens, patate de forain. Chingada, este gringo sabe pelear, Ok. Trop bien. D'accord. Tiens, patate de Sangoku, je vais te mettre. Patate de Sangoku. Merde. Tiens, hop là. What, mais. Eh, mais. C'est quoi cette triche là? D'accord. Attaque-moi en premier, je vais te contrer. Je vais t'esquiver, vas-y. Tape-moi, tape. Merde. D'accord. On verra qui sera le plus résistant de toute façon. Ouah. Moi, ils me retiennent et lui, ils ne retiennent pas. C'est bizarre pour les voix. Merde. Que ça prend en française. Oh merde. Oh là là, j'ai l'impression d'être dans UFC là. Fais-moi signe quand t'entendras les pédales de la voiture. Vous êtes gratuite pour le culo. Solitaria. Cállalo. Vous êtes esperando aquí, eh? Abre. Allez, quoi. Combien de temps je vais devoir couper là-dedans? Hein? Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias. J'étais en train de faire un super rêve. Hé, hé, hé. On se calme. Doucement. Ah. Ok, calme-toi. Allez, on va voir juste qu'est-ce qu'il nous veut, ce sera la fin de la découverte. Et sinon je pourrais prendre une douche. Cállate. Attendez juste, voir. Au niveau des options, que je suis sûr. C'est pas de l'affichage, c'est. Oh non, c'est pas audio, je sais plus où j'ai mis ça. Sous-titres activés, non. Mais je suis sûr que j'ai. Pour les voix, j'ai mis les bonnes voix, mais bizarrement, bah, je sais pas, il veut pas les. C'est pas grave. Bonjour messieurs. Bonsoir, difficile à dire au fond de ce trou. Oye, idiota! Monte les escaliers. Esos dos tienen todas las... Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Vous pouvez éviter de parler espagnol. Je ne comprends pas tout. Allez, j'y reviens. Bienvenue au Panama. Hey, gringo. Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. On dirait que tu as des admirateurs. Ouais, mon public adoré. Oh là là. Y a Thibaut Inchep, là là. Lola. Ok, salut. Abre las rejas.
¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Ça sera bien assez tôt. Ouais, je pense que c'est normal qu'on comprenne pas. C'est fait exprès. Hein. Non, s'il vous plaît, me faites pas ça. S'il vous plaît. Nada, amigo. Rien. Este me encargo yo. Bien. Oh le pauvre. Oh là là. C'est bon, je suis trompé. Où tu m'emmènes? C'est même pas des rats, ça. C'est des mi-rats, mi-chats. La taille qu'ils font, waouh. Non, non, pas par là. Oh, ok. Je suis sûr que tout le monde s'est trompé. Je suis sûr que tous ceux qui ont fait le début, ils auront pris le chemin que j'ai pris. Les développeurs, ils se sont dit, ah bah tiens, on va faire un cul-de-sac pour se foutre de la gueule des gens. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Pas à gauche. Je reclame à droite. Ouais, c'est bon. Je me méfie de tout le monde. Surtout d'un gardien qui va mettre dans un coin assez lugubre. Par là ? Oh ! On y est. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi ? Je vais en être. En être ? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery. Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir ? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici ! J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Les richesses du paradis ! C'est une métaphore. Non, 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 non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter ? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. Voilà, c'est magnifique. C'est ce que j'ai demandé ? Ouais, je l'ai caché juste là, en dessous de la table de travail. Ouais, bah, savoir ce qu'il y a là-bas. Super, merci. Bah, vous le saurez au prochain épisode, soit en live, soit sur Let's Go. En tout cas, le jeu, franchement, waouh. Une belle petite claque. Je pense, voilà, une petite vidéo d'à peu près 30 minutes, c'est parfait. Si j'en fais plus, bah, c'est un petit peu trop. Et si je me serais arrêté un peu plus tôt, bah, on n'aurait pas su tout ça. Donc c'est plutôt cool, franchement, moi j'ai bien kiffé. Je vais faire violence et ne pas faire la suite hors vidéo. Vous pouvez laisser un petit like bah, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis bah, sur le début du jeu. Et puis sinon, bah, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!